Le soir de ce même dimanche de Pâques, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des leaders juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Prions. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme de chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Évangile de Jean, 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je n'y mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Chers amis, chers frères et sœurs, une chose est sûre. Thomas ne souffre pas du doute cartésien. Il fait une confiance absolue à ses sens, à la vérité de ses perceptions optiques. Si je ne vois pas dans ses mains, là il se réfère à Jésus, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.
est absolument sûr, aucun doute possible, scientifiquement et historiquement parlant, que Thomas et les autres disciples ont vécu une chose exceptionnelle. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je dirais tout franchement qu'une seule explication puisse satisfaire l'origine, donc le pourquoi, de ce changement radical et dans la foi des disciples et dans leur comportement. Donc il ne s'agit pas d'une fausse perception des sens ou d'une hallucination collective, comme cela a été suggéré un peu naïvement. Il ne s'agit pas non plus d'un emprunt hâtif et même ordinaire à la mythologie égyptienne, où figure effectivement le thème de la mort et de la résurrection, puisque c'est quasiment impossible, vu le temps tellement court entre la mort de Jésus et la prédication enthousiaste et enthousiasmante des disciples. Donc nous pouvons assurer avec une certitude absolue presque, avec toute notre âme, avec toute notre force, avec tout notre cœur, avec tout ce qui est en nous, et surtout avec notre raisonnement, qu'il y a une seule explication possible qui s'impose. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et le scepticisme appliqué d'une manière juste nous aide à plutôt croire plus fort encore à la résurrection de Jésus. Thomas n'est pas du genre philosophique, socratique, jamais sûr de ce qui est la vérité la plus probable. Thomas n'est pas un baratineur planant jusqu'à l'infini dans un flou artistique ou ésotérique. Non, il est un être humain comme nous. Un être humain en chair et en os. Si moi je ne vois pas dans ses mains, s'il ne voit pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc il est un homme plein de vie, pour ainsi dire, pleinement conscient de lui-même. Il utilise dans une seule phrase 4 fois le mot « je ». Si je ne vois pas, encore une fois, si je ne vois pas, si je ne m'aime pas, je ne croirai pas. Il parle aussi de mon doigt et de ma main. Donc il dit aux disciples, vous pouvez me dire unanimement tout ce que vous voulez, pour moi ce ne sont que des informations fausses et truquées. Je m'en fous. Moi, je détermine. Moi, je décide si je crois oui ou non. Moi. C'est peut-être aussi pour cette raison-là, chers frères et sœurs, que Thomas nous est tellement cher. Nous l'aimons, en quelque sorte. Il nous ressemble. Il nous est proche. En fait, il exprime clairement ce que nous ressentons également de temps à autre. Puisque le doute nous guette aussi constamment et nous attaque aussi quand nous sommes faibles. Nous voulons un signe clair, indubitable, convaincant une fois pour toutes. Nous voulons un vaccin efficace une fois pour toutes. Seulement Jésus a répondu ceci à Thomas. Parce que tu m'as vu, t'as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Où en veux-tu venir, ce Jésus? À quoi dois-je me préparer? Jésus clairement fait allusion à tous ces gens qui n'auront pas ce privilège
de le rencontrer aussi directement et aussi visiblement. Il part de nous. Il part de notre désir d'être convaincu, comme ça a été le cas avec Thomas. Seulement ce désir-là, hein, très compréhensible d'ailleurs, ne sera jamais forcément assouvi. La rencontre avec Jésus se fait autrement, pas moins directe, mais d'une manière plus intime. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Où en veux-tu venir, Jésus? À quoi dois-je me préparer? Effectivement, chacun de nous doit prendre une décision individuelle, capitale, existentielle. Est-ce que moi je veux croire en ce Jésus ressuscité? Est-ce que je veux aller avec mes doutes vers lui? Thomas a été convaincu. Jésus soudain s'est présenté à lui. Jésus, tout gentiment, a répété les doutes exprimés par Thomas. Il s'inclinait presque devant lui. C'est cette attitude, cet amour qui a saisi ce disciple qui nous est tellement cher. Thomas ne dit pas « mince alors, c'est incroyable !» Mais vrai, maintenant je suis content, je n'ai plus de questions, je. Non, il ne peut que professer sa foi. Mon Seigneur, mon Dieu. Ayant été richement béni par l'amour de Jésus, qui s'intercède tellement à lui, Thomas ne peut que reconnaître que la ciel que le ciel et la terre se rencontrent en cet homme qui lui a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jésus, chers frères et sœurs, se présente dans ces temps de crise, dans ce temps du coronavirus, dans ce temps de ce danger invisible qui nous guette. Jésus se présente, il étend ses bras vers nous. Puisqu'il nous connaît tel que nous sommes, avec nos peurs, avec nos « je ». Il nous dit que la paix soit avec vous. Il s'offre à nous, il s'incline devant nous, pour nous redonner courage, pour qu'il puisse siéger dans notre cœur, pour pouvoir régner dans notre cœur, pour qu'il puisse y être mon Seigneur, mon Dieu. Le doute a le droit d'exister. Mais disons aussi, me voici, Seigneur et mon Dieu, que ton règne et que ta justice s'installent de plus en plus dans mon cœur, surtout dans ces temps de crise.
Prions. Père éternel et notre Créateur, nous te rendons grâce pour la vie et pour ton amour. Seigneur, nous te confions les personnes âgées et isolées. Fais qu'ils sentent ta présence dans la solitude. Nous prions pour les familles de celles et ceux qui ont péri du coronavirus. Réconforte leur famille. Nous te demandons d'aider et protéger le personnel de santé, les infirmières, les médecins, les techniciens ambulanciers. Ainsi, nous te confions la vie des membres de cette communauté. Renforce notre désir de t'aimer et de te suivre. Ah, Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Nous avons confiance que tu nous garderas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Dieu de vie, qui a relevé Jésus d'entre les morts, fait disparaître en nous tout ce qui est mort et fait lever en nous la sève de sa vie, afin que nous soyons